Yo tout le monde, c'est Tchob, épisode 20 de cette série de Total War avec les Alains, ça commence à faire long, hein. Alors j'ai oublié de... Enfin j'ai pas sauvegardé au bon moment. Enfin j'ai oublié de sauvegarder exactement où j'en étais la dernière fois. Donc il me semble que j'avais passé ce tour. Il me semble que j'étais en train de le passer. Oui parce que je vois qu'il n'y a plus d'argent. Pour le reste, je sais plus exactement. Ça me reviendra. Pourquoi passer le tour, terminer le tour. On va voir ce que ça donne. Tenir, c'est ça. Ok. Ça bouge beaucoup. Ok, adoption, bah non. Ils me rendent pauvre. C'est pas vrai ça. Autoriser le commerce, j'ai besoin d'argent. Oui, ça me parle. Il me semble que là, il n'y avait pas une armée qui était venue m'attaquer. Oui, j'ai eu la flemme de jouer cette bataille hier. Bon. Bah écoutez, pour une fois ça me servira. Voilà. Je vais pas. je vais pas me plaindre. Hein, Une fois ça n'a pas mon avantage. Alors résolution automatique. Mode protection. Et les gars en rase. Ah, ça me fait une autre grosse ville. Hop. Je sais même pas qui c'est. Est-ce que j'ai assez d'argent? Oui. Faudrait que j'aille prendre tout ça aussi. Là on avait dit commerce. Est-ce qu'il y a un truc qui fait du commerce? Non. Eh ben écoute. Alors ça, Mitria, quand même. Donc à faire. Voyons voir. Qu'y a-t-il d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Ah oui, ça me coûte cher par tour. Oui. On va les dissoudre. Hein. Ah, ça fait du bien. Moi, ça fait du bien. Et on continue hein, sur les ennemis, bien évidemment. Les rebelles, on les relâche. Bien joué, mes villes coyotes, pardon. Vous êtes de rang 8. Oh, ça, c'est beau, ça. Bonus de charge, bonus de compétences en mêlée. Bonus de compétences, de défense en mêlée, pardon. Ça c'est bon, ça j'aime beaucoup. Faisons un petit point ici. Les batteries sont tranquilles. J'ai plus d'argent pour faire des. J'ai plus d'argent pour utiliser mes espions, quoi. C'est moche. Alors on va se mettre là, comme ça s'il y a un agent ou plutôt même une armée ennemie qui vient, on la verra venir. Oui, s'il vient, on la verra. C'est bizarre qu'il n'ait pas attaqué la Tigranos Herta. Phasis. Bah, tu sais quoi, Tigranos Herta. Qui sera le tour prochain, c'est parfait. On va aller prendre Pessinus. Le tour d'après, si on peut. Rébellion imminente. Ah, Pergamum. Ah. Trapezos. Ah oui. Je répare ici. Alors. Ouais. Faudra qu'avec cette armée, j'ai réussi à juguler un peu les. Un peu dans la région, enfin les trois régions du coup. Y a pas un autre truc de défense ici normalement. Ça doit pas être pour ce type. Non, je me trompe peut-être.
pas grave, on va faire ça. Et on ira défendre les rébellions le tour d'après. Là, comment ça se passe? Ah mon salaud. Je t'ai vu. Pas grave. J'ai une armée de défense. Elle est pas très très bien équipée. C'est pas un souci. Là-bas, on est bien. On va pouvoir passer ce tour. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Un tour tranquille, bah dis donc, ça va. Autoriser le commerce, bien sûr, j'autorise le commerce de partout. Ah non, nouveau parti créé. Voilà. Putain, je paye pour la garder et se barre dans un autre parti, mais. Ils sont loin d'être. T'as du pas bon, bah c'est pas grave. Hein. En plus, c'est un cran général que j'ai perdu, quoi. Ça, c'est chiant. Ouais, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir les adopter, hélas. Ça aurait changé la donne. Plus de revenus de payage, ça va aider. Là, Lydia, ils ont. Et là on a de la défense ou pas? Oui, ça va pas tomber comme ça. Ah c'est elle. Quoi? Ah oui mais c'est vrai que... Ah j'ai oublié. Que Lydia du coup... C'était fait exterminer. Ah zut. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Hop, voilà, ça devrait faire... De l'hygiène publique. Bastion du chef. Parce que je pense que ça va être compliqué. Au niveau moral, les tours à venir. Allez, mode équilibré. On rase. Oui, effectivement, au niveau moral. Les gars, c'est très très compliqué. On avait dit du commerce. Local, ouais. Ouais, on va se tenter un commerce local parce que ça va donner 32 32. Ouais c'est bon, ça restera tranquille ce tour là. Comment ça se porte ici? Ça se porte bien. Oh, il est bouffe. Oh, il le bouffe. Mais de vitesse le gars. Voilà Césaré. On va se tenter un petit coup à Césaré. Comment puis-je vous aider? Ah. En assassinant lui, s'il te plaît. Toujours pas. Rien ici. Les Pontus, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, on n'a pas beaucoup d'argent, hein. C'est compliqué en vrai. J'aimerais bien avancer un peu le développement de mes villes, mais on a zéro argent, quoi. Et je peux pas les piller n'importe où parce que mes ennemis ont encore des grosses armées. Surtout le Sassanide. Hein. Le Sassanide qui lui a presque pas perdu de ville. Ouais, je me demande même s'il en a perdu. C'est peut-être même plus étendu au sud quoi. Je recrute parce qu'on est un peu en dèche là au niveau des. Des agents, hop, toi tu vas avancer là-bas, tu vas me dire s'il y a quelqu'un. Non. Très bien, bah, vol de la nourriture en attendant.
J'ai, il me semble. Parfait. On va faire un raid. Parfait. Et allez, on va aller finir. Résolution. Mode équilibré. Ouvrage. Et c'est fini pour eux. Ça, c'est bien. Ça fera un ennemi en moins. On reste là, sachant qu'il va y avoir une rébellion. Hop. Ça et un peu de nourriture, ça fera pas de mal. Là. On va les tuer, les flèches de Ghost. Je connais les flèches de Ghostoros, je crois. J'avoue que c'est un peu compliqué là. Prononcer. On relâche, bien évidemment. Pourquoi? Argent. Money. Money, money. Ah, d'accord, t'es là, toi. Ça se répare tranquillou, hein. Un petit pillage. Allez, les mots fléchés. Ouais, j'hésitais à la prendre, mais... Non, je me suis dit... Ça fait une source de revenus. Ah, c'est bête à dire, les gars, mais une source de revenus est une source de revenus. Alors, Citia et Saint-Martia qui me rapporte le plus d'argent. Je me demande si Bosporos me rapporterait pas plus d'argent. Très certainement. Bosporos, c'est de la bouffe. Citia, les mines vont devenir plus efficaces à terme. Bon, je vais faire un 100. On verra. Là, on est comme une épidémie. On est toujours pas bon, hein, comme d'hab, c'est pas grave. Ok, là on est bien. Là ça se passe comment? Bon, une petite rébellion le tour prochain. Ça fera XP, c'est pas grave. Là, même principe. D'ailleurs, là ça sera. Alors il y a quoi? Il y a Cidé, Césarée et Iconium. Je vais faire peut-être du divertissement ici, allez. On essaie de changer un peu de source de revenus, on change petit à petit. Ici j'ai pas d'attaque, très bien, on va faire le tour juste pour voir si on a quelque chose à construire, voilà, comme les temples par exemple, enfin, les monuments, les... communauté, les quartiers, là, les croyances, machin. Là. J'en ai pas fait ici, ah si, ouais. Ok. Eh ben, on va pouvoir continuer. Je regarde, on est à 13 minutes, très bien. Alors... Ah, Lydia qui met sur mes rebelles, bah c'est gentil, bah vas-y. Moi ça va, aucun souci. On relâche, bien évidemment. Ce fut bref mais intense. Le moral là. Oh, va, va. Ouh, j'ai de l'argent les gars, regardez, regardez l'argent qui est rentré. Par contre, regardez l'argent qui rentre pas. Hein. Rasez ou mettez à sac 8 colonies différentes de cette culture. Ah ouais, bah non. Bah non, c'est trop tard. À moins que Palmyre, ça soit considéré comme... Ça va être compliqué, mon ami. Bon. Allez, tour prochain, j'irai... à Iconium ou à César et ça sera mieux. Bien évidemment, qui dit argent dit développement. Voilà, voilà, on
ainsi tiens, enfin pouvoir faire notre émailleur qui nous rapportera deux fois plus d'argent. Ça c'est bien. Et on va développer, je pense, Arménie. Hein. Oh la vache. Ça va prendre zéro ça ce tour là. Ouais. Ouais, il doit y avoir un peu de brigand là. Allez, on va hop. On va changer pour ça. Et on va développer les mines. Tac. On va faire ça. Parce que ça baisse beaucoup le bonheur, ça. Les mines, elles baissent beaucoup le bonheur. Donc je vais faire le bois de papayos. Je disais le bois de papayos, il est où? Voilà pourquoi. Parce que 16 de bonheur déjà. Fou. Ouais, ça déconne zéro, hein. La vache. Et surtout plus 6 d'ordre public provenant de la requête d'impôt. Récolte, pardon. Oh, bah alors là, je me mets bien. Toi, qui est caché là. Va donc saboter d'un coup là. D'ailleurs, même pas eux, on va saboter là. Sautage de la colonie raid. Allez, je sais que t'as une grande portée. Hop, sur le dessus. Je sais pas comment ils ont pris. Iconium, c'est ici. Ah bah, ils ont perdu. Une bonne moitié, hein, presque la moitié on va dire d'une unité, c'est bien ça. Ah bon, ils ont une petite armée par contre, les guerriers de Wolbat, de Wobalat, je sais pas si on prononce le T ou pas. M'excuserai si ce n'est pas le cas. On est pire copains, hein. Je suis pas sûr qui j'ai tapé. Ah oui, d'accord. Ouais, mais je veux. J'ai plus besoin d'eux. Donc. Désolé. Fallait pas revenir comme ça. Allez, on rase. Non, on entend plus parler. Bah ouais les gars, au bout d'un moment fallait pas revenir maintenant quoi, fallait accepter ce triste dessin. Allez, faudra, je pense, il n'y avait pas un endroit où il y avait des bas quartiers. J'allais faire des bas quartiers à force de rien faire, non? Bon, ça me va. Oula, et oui, du monde là, oulala. Assassinat? Non. Avec toi peut-être? Tu coûtes moins cher, mais c'est pas encore ça. Ah, mais y'a personne ici. Allez. Regardez-moi ça. On se refait un petit tour? C'est gratuit. Voilà, le mode protection, voilà. Deux armées en moins, c'est parfait. Un petit up. Les jouets, les mots fléchés. Parce que y a encore du monde apparemment. Hop là. Et loyaux défenseurs. C'est ça, avec Bactri, tiens. Faudrait vite que je me débarrasse d'eux, ce serait énorme en moins, ce serait cool. Là il se passe rien. Et ici. Ouais, allez, plus de bonheur local, c'est bien. Oh, c'est parfait. Ah zut, oh, ils auraient foutu ça, mais c'est pas grave. Une petite mine. Une mine. Ouais, une mine. Ouais, domination romaine. Faire attention. Alliance militaire. Gaule romaine. Allons, ne pouvons-nous pas ouvertement nous entraider? Ça me va. Ça fait un œil en plus.
Donc ça me va totalement. Ah d'accord, oui, c'est là. Ah, c'est pas grave, je vais emmener j'ai une armée là pas loin, je crois. Je vais les emmener à attaquer ça. Hein. Écoute, ah non, j'avais pas d'armée à Tigrano, c'est tard. Ah merde! Il est passé par là. Ah mince, oui, j'ai cru que du coup Rome là irait à Hatra et que là ce serait tranquille. Ah bah j'ai mal cru. J'ai très mal cru. Ce que je pourrais faire, c'est lancer une attaque, lui faire faire quelques pertes. Non, toujours pas de rébellion, hein, c'est fou. Hein. Il monte désormais à gogo, mais. Je sais pas si elle le fait en vrai. Ah, ça se joue à rien. On se lance. Plus vite, bande de l'art. Voilà, résolution auto. Le mode équilibré, ça évitera de faire avoir une trop grosse perte en même point. Ouf. Prêt pour la bataille. Et on occupe de nouveau. Bien évidemment, on fait un puits. Et on va leur dire foncez les gars. On défend des batanes. Pas mal tout ça, hein? Pas de rébellion. L'iconium, c'est pas gratuit. Je veux dire, c'est gratuit, non. J'ai dit Césarée, iconium, à voir. On verra ça. Oh. Vous savez quoi? Petit Césarée. J'aurais dû raser, mince. Un petit Césarée, voilà, et là on emmène ces messieurs ici, ces messieurs mesdames, hein, bien évidemment. Ça, on démolit. Et il faudra bien penser à raser cette fois Iconium. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, voilà, je vois c'est déjà 20 minutes, bah, c'est plutôt pas mal, pas de bataille. Ça m'arrange, ça m'aurait arrangé hier, voilà, alors encore une fois, hein, désolé pour la... La vidéo d'hier, j'étais extrêmement fatigué, j'ai eu énormément de boulot. Bref, ce ne sont pas des excuses, un peu quand même. Mais j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plus plu. J'ai hâte de vous retrouver demain pour le prochain épisode. Parce que demain c'est pas le week-end, eh ben non c'est pas encore le week-end. Mais c'est bientôt le week-end. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. On se retrouve demain pour le prochain épisode, c'était Thiob. Ciao !